Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un Capri Sun contre Giovanni et je vais le défoncer. J'annonce dès le début, je pense que je vais le défoncer. Là, il m'entend pas. Ah si, il est là. Et là, j'espère que je vais le battre pour une fois parce que à chaque fois, je perds contre Joe. Quoique, attends, j'ai déjà gagné une ou deux fois. Mais aujourd'hui, j'espère que je vais gagner contre lui et c'est un beau challenge. Donc, je vous explique le Capri Sun. C'est... On fait sur un seul spot. C'est chacun son tour. Et interdiction de reproduire le trick que la personne a déjà fait ou qu'on a fait. Donc à la fin il va plus y avoir de possibilité de trick. Ça va être chaud. On a un bon panel de tricks, mais à la fin ça va commencer à être tendu. Et on a deux essais pour plaquer notre trick. Si on ne plaque pas au bout de deux essais, bah on a perdu. Donc j'espère que la vidéo va être assez longue. Là il commence à s'échauffer Joe, donc j'ai très peur, il va s'énerver. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la clochette des notifications, ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, c'est parti, on va faire le Shifumi Giovanni vs Me. Bon allez, c'est parti Shifumi pour savoir qui c'est qui commence. Je commence. Oh il a dit, il allait me défoncer. Je vais niquer. On va commencer doucement, petit no foot. Il était sketch, je le refais. Je suis soulagé, je l'ai plaqué. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Giovanni a l'air plutôt serein. Mais suffit qu'on n'arrive pas deux fois de suite à pas mettre son trick. Et c'est fini. Pour l'instant, tout a été passé first try. Là, à part mon finger heel. Autour de Giovanni. Je vais voler son trick s'il est pas content maintenant. C'était un bar twist. Là, je me sens bien là. Il lui reste un try. Oh, oh là là, oh, mais il a pas lancé le trick en faki. Du coup, il peut faire n'importe quoi. Vous pouvez regarder les rushs de la vidéo. Je me suis pris mon linge dans la gueule, dans l'œil. Là, il y a peut-être espoir que je gagne. Sur un malentendu, je peux gagner. Je me suis pris un truc dans l'œil, frère. Maintenant, il fait un out bord. En fait, je vais pas donner la casquette aujourd'hui parce que je me suis dit peut-être ça peut me faire gagner. Je t'explique ou pas? Vas-y. Là, tu pourras voir dans la vidéo, à la fin de mon braille, je suis comme ça. Regarde. Je suis comme ça. Donc, je vois rien. Mais il s'est dit coûte que coûte, il faut que je le plaque. J'ai eu très très peur là. Parce que 3-6 sweep, je l'avais mis. Et j'ai voulu faire 3-6 sweep bar. Il me restait un try et il a été sketch. Oh la pression. Bon allez, autour de Giovanni. Là ça commence à être tendu là. Il rewind, oui pre-wind. Bon allez. Là ça commence vraiment à être chaud. Bon allez, autour de Giovanni. Il volait tous ses tricks, il va plus rien faire. C'est ma stratégie. Il commence avec ses cross-foot. Madre mio! Il lui reste un essai pour faire le whip finger. Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais gagner? Ok, je m'étais trompé, c'est pas un whip finger, c'est un demi-bar et après il fait un finger. Il est trop fort. Yeah,
un trail. Les gars, j'ai tellement flippé. Je pense que ça s'est vu sur la vidéo. Je pensais pas du tout le replaque. Ouh, la pression. Bientôt il a plus de tricks. Je commence à le dépouiller. Ça c'est bon. En vrai, c'est tellement bien ce jeu parce que ça nous force à mettre tous nos tricks first try. Ça met une pression de ouf. Mais j'espère que vous kiffez là. Là, moi je commence à plus avoir de tricks, je le dis honnêtement. Et Giovanni me dit qu'il a encore 100 tricks. Donc espérons qu'il loupe un trick deux fois et c'est bon. Tricks easy. Easy for me. Trick de merde, mais bon, faut bien. Là, ça va commencer à être chaud parce que, une fois qu'il y aura plus ces petits tricks de merde, là, je vais commencer à faire des tricks où je mets un peu de try à le mettre. Donc là, ça va me forcer à mettre mes tricks first try. First try. Là, il me reste une chance, mais ça, c'est un trick que je vais pas tout le temps. Il me reste une chance. Dieu soit avec toi. Putain ! Yes ! Là, les gars, c'est un Capri Sun d'anthologie. J'ai eu chaud. Je suis content de l'avoir mis first try celui-là. Autour de Joe. C'est ce que je me suis dit. Ah, je me suis dit, j'ai essayé un trick et tant pis si ça passe pas. Parce que ça devient trop long. Oh là 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 là. Yes. Là, en vrai, Giovanni, j'ai noté tous les tricks avant ça. Non. Oui. Putain, le bâtard, c'est un tricheur en plus. Bon les gars, je suis content d'avoir gagné. C'est un bon challenge en vrai. Hein. Ça force à mettre tes first strike. Mais celui-là, normalement, tu le mets facile. Enfin, facile. Ouais, j'ai un 23 maintenant. Non, ouais, il a changé de deck là juste avant le Capri Sun. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aller suivre Giovanni sur son Instagram. Allez lui donner de la force. Membre de la Hood Crew, on est là. Et suivre mon Instagram Hugo Popion, suivre l'Instagram du crew, vous connaissez, out.crew. Je ne sais pas s'il reste des vêtements sur la boutique Out Crew, mais allez-y au cas où. N'hésitez pas à faire ce jeu avec vos potes, c'est grave, grave bien. Les gars, merci, à vendredi à 17h.